Salut à toutes et à tous, la vérité sur les formations de A à Z en dropshipping pour les débutants. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Laissez-moi vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi ce genre de formation ne vous emmènera pas et ne vous aidera pas à atteindre votre très cher objectif qui est de vivre du dropshipping, qui est de vous gaver d'oseille avec votre ordinateur. On a tous commencé par ce désir, on va dire, certains l'ont atteint et j'ai l'impression qu'avec, on va en parler tout au long de cette vidéo, c'est parti. Okay ? Donc la plupart ont l'illusion de se former avec ce genre de tuto de A à Z ou même globalement de se former, d'apprendre des choses. Ont l'illusion d'avancer, ont l'illusion d'intégrer de nouvelles compétences, mais n'obtiennent aucune information. Une information, il y a différents types d'informations, il y a différentes qualités d'informations. Et ça, ça vaut dans tous les services secrets, notamment si on pense aux renseignements généraux, à la CIA, au KGB. Tu as plusieurs types d'informations. Déjà, tu as les informations qui sont tout simplement fausses. Donc, ça représente une très grosse partie de ce que vous allez pouvoir entendre concernant le business en ligne. Deuxièmement, vous avez autre chose, vous avez la qualité des informations. Et dans ces formations de A à Z faites pour les stricts débutants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je vais avoir des débutants qui me regardent, mais j'aimerais vous faire gagner du temps. J'aimerais vous faire prendre de l'avance et vous éviter quelques pièges si vous le permettez. Donc, si vous le permettez, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, même si ma tronche ne vous revient pas, même si ma manière de parler vous paraît un petit peu rentre-dedans, ce que je peux comprendre, hein, vous n'avez plus l'habitude de vous faire agresser aujourd'hui, d'avoir des gens qui vous coachent à la dure, on va dire, alors que à travers l'histoire, tous les champions sont coachés à la dure. Voilà. Mais aujourd'hui, de moins en moins de personnes acceptent ce genre, qu'on leur délivre ce genre d'enseignement, qu'on leur délivre ce genre de sentence, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a la qualité des informations. Comme je vous l'ai dit, premièrement, il y a des informations qui sont fausses et j'aimerais aller encore au-dessus dans la pyramide et dire, vous rappelez que l'information, c'est tout. Que l'information, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Une mauvaise information peut tuer quelqu'un, peut faire tuer quelqu'un. Une bonne information peut rendre quelqu'un milliardaire. Je pense à des délits d'initiés notamment. Quand tu as des amis proches de politiciens qui savent qu'un domaine va exploser, qu'une loi va passer et qu'ils ont le temps d'investir sur une technologie qui va être, comme par hasard, 6 mois, 1 an plus tard, obligatoire pour tous les Français. Enfin, je pense à tellement de choses. L'information a permis un délit d'initié. Ça ne manque pas d'exemple. L'information, quand on vous dit, à l'époque de Christophe Colomb ou des pirates, si on vous dit le coffre se trouve là-bas, 2 pieds sous terre, à 2 mètres à droite, à 2 pas à droite de ce bananier, vous avez un trésor rempli d'or. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle de l'information. Ensuite, parce que je sais que quand on est ouvrier, et je viens du monde ouvrier, on ne comprend pas ce qu'est l'information, on ne comprend pas l'importance de l'information, on ne comprend pas l'importance de la lecture, par exemple, de tout support qui peut vous apporter de l'information. On a du mal à saisir ça. Nous, ce qu'on aime, c'est la matière physique. Il faut qu'on voit, je veux le voir pour le croire, mais où est-ce qu'il faut taper, qu'est-ce qu'il faut porter pour gagner de l'argent? Quelle voiture il faut conduire? Quelle pièce il faut nettoyer pour gagner de l'argent? Ben non, vous vous trompez. Ce qui est important dans l'argent, c'est l'information. Ensuite, on s'enfonce dans le terrier encore une fois. Il y a de l'information qui est vraie et d'autres qui est fausse. Si vous obtenez de l'information qui est fausse, ça s'appelle de la désinformation. Si vous êtes désinformé, vous risquez encore plus que de n'obtenir aucun résultat. Vous risquez, dans notre cas de figure à nous, à savoir le dropshipping, de perdre de l'argent, vous risquez d'y laisser des plumes. Vous prenez de vrais risques, des risques concrets,
parce que cet argent, il a été dur à gagner pour vous ou à économiser. Vous prenez des risques concrets à utiliser de la mauvaise information. Ensuite, il y a la bonne information. Nous, on va parler de la bonne information aujourd'hui. Dans la bonne information, il y a encore différentes qualités d'information. Vous avez l'information McDonald's, ce que vous allez trouver sur YouTube notamment, pour, je pense, 9 vidéos sur 10. Il y en a une sur 10 qui est bonne, c'est quand Benji sort une vidéo. Je suis désolé de le dire, mais en même temps, je vous invite à voir si je mens, à vérifier. Tout ce qui est formation dropshipping de A à Z pour débutants vous donne de l'information McDonald's. On va le développer tout au long de cette vidéo. Je vais vous donner des faits. Vous avez l'information poubelle. En aucun cas, vous obtenez ce qu'on appelle de l'information de premier ordre. Qu'est-ce que l'information de premier ordre ? C'est l'information réservée aux initiés d'un domaine. C'est l'information qui marche vraiment. C'est ça une information de premier ordre. Donc dès que vous allez regarder une vidéo de formation de A à Z sur le dropshipping pour les débutants, je vais vous montrer que le mec vous fait des vidéos de 2 heures où il vous balade sur Shopify. Si vous pensez que vous êtes les seuls à pouvoir reproduire ce genre de choses, vous vous trompez. Et à partir du moment où vous n'êtes pas les seuls, si vous en êtes conscient, tout le monde peut le faire. Et la question que je vous pose, c'est alors pourquoi, avec ce type d'information, formation de A jusqu'à Z, pourquoi est-ce qu'avec ce genre de formation gratuite qu'on trouve sur YouTube à propos du dropshipping, pourquoi est-ce que très peu de gens y arrivent? Parce que c'est de l'information McDonald's. L'information McDonald's, par définition, tout le monde y a accès. C'est pas tout le monde qui peut manger au Phuket's. Par contre, au McDonald's, tout le monde peut y aller 3 fois par jour. Mais est-ce que c'est de la nourriture de qualité? Est-ce que c'est de la nourriture qui permet de donner des nutriments à votre corps? Non. Bien en dropshipping ou dans d'autres domaines, c'est la même chose. Tout simplement. Donc vous n'avez pas de l'information de premier ordre. D'après moi, regardez des tutos pour intégrer des produits Shopify. Et le tuto, il peut durer 4 heures, même 6 heures, même 10 heures. Regardez des tutos sur comment ajouter un produit d'AliExpress à Shopify, etc. D'après un produit gagnant, machin. Ça peut durer 10 heures, 20 heures. Peu importe combien de temps vous allez regarder de ce genre de vidéo. Ne vous rendra pas riche. Voilà, je préfère vous le dire clairement. Ce n'est pas le fait d'avoir regardé des mecs monter des boutiques Shopify pendant des heures, d'avoir regardé des mecs vous expliquer que pour cibler une pub, vous cliquez sur France, vous dites que vous voulez les gens qui s'intéressent au centre d'intérêt fitness et qui machin, et que comme ça vous lancez la pub et vous faites le test avec 5 euros par jour. Si vous pensez que ça, chose qui est à la portée du premier abruti venu, si vous pensez que ça va vous rendre riche ou même vous former de quelque façon que ce soit, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Et là encore, je suis fair play, je ne parle pas de tout ce que je vois. Je parle vraiment du délire formation dropshipping de A jusqu'à Z, machin. Si vous pensez qu'avec ça, vous allez devenir riche, ah mais c'est bon, c'est une formation, c'est gratuit. Alors moi, celui que c'est gratuit, bah, je préfère ça, c'est gratuit. Moi, je ne veux pas payer. Je veux gagner 10 000 euros par mois avec mon ordinateur. Mais moi, je ne veux pas payer. Le vendeur de formation, que c'est des escrocs. Et je ne vais pas payer pour avoir de l'information. On ne paye pas pour avoir de l'information. Moi, je paye pour acheter mon scooter ou pour acheter mon pull à Zara ou pour m'acheter mes chaussures. Mais je ne vais pas payer pour avoir de l'information. Eh bien, figure-toi. Jeune fiante, figure-toi que les gouvernements, tu sais les gouvernements que tu payes, déboursent des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Pourquoi ?
pour l'armement, pour l'information, pour obtenir la bonne information. Eh oui. Ah oui. Ah oui. Mais alors que ça veut dire que je peux pas m'acheter mes baskets et qu'il faut que j'achète des trucs que je peux pas toucher avec le doigt. Ouais, ça s'appelle de l'information. De premier ordre. De l'information de premier ordre. Pour moi, alors, il n'y a pas de danger. Si vous regardez ce genre de vidéo, machin, il n'y a aucun danger pour vous. Ça va vous initier, vous mettre le pied à l'étrier, vous donner envie d'aller plus loin, c'est très bien en introduction. Mais d'après moi, c'est pas du tout ce qui va vous enrichir, c'est pas du tout ce qui vous permettra de réussir en dropshipping. Et le problème dans tout ça, c'est que ça peut vous donner l'illusion que c'est par cette voie qu'il faut passer, alors que pas du tout. Et le problème dans tout ça, c'est que vous allez tester ce genre de choses avec de l'information McDonald's, le truc facile à mettre en place, bam, bam, ça a l'air super fluide, etc. En faisant semblant d'ignorer que ça a l'air quand même bizarre. Y a un truc dans votre tête qui vous dit « Mais attends, c'est quand même, si c'était si facile. Ouais, » Mais en fait, cette voie, elle a raison. Mais bon, vous la mettez de côté, vous dites « Allez, je vais bricoler, machin. » Et là, ça ne marche pas. Et là, vous abandonnez, tout simplement. Et ça, c'est d'après moi le plus grand danger. Encore, ça va, vous n'avez pas laissé des plumes, même si vous ne le comprenez pas encore. Mais le temps dans la vie, votre temps, est ce que vous avez de plus précieux, bien avant l'argent, bien avant les biens matériels, le temps. C'est la plus grande des valeurs sur cette planète. Il n'y a aucun milliardaire qui a réussi à accélérer son temps. On a tous 24 heures, comme on dit, tout simplement. Alors pour moi, si vous agissez comme ça, c'est un petit peu comme vouloir la gagner. Ah, pardon, c'est un petit peu comme vouloir gagner la Coupe du Monde. Ah, vous êtes là, vous voulez remporter la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, peu importe. Et vous dites, bah là, vous voulez vivre du dropshipping, ouais, je suis à fond, moi aussi, je veux aller vivre à l'étranger, moi aussi, je veux faire le tour du monde, moi aussi, je veux bâtir un empire, moi aussi, je veux mes bureaux, je veux machin, peu importe quel est votre rêve. Donc, jouez, ça, c'est votre Coupe du Monde à vous, c'est notre Coupe du Monde à nous. Ben, c'est un peu comme vouloir jouer de la Coupe du Monde en apprenant toute la journée la façon dont il faut mettre une paire de chaussures de crampons, une paire de chaussures de foot. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez tout intérêt à le comprendre. Vous voulez jouer la Coupe du Monde, vous voulez apprendre des choses, des nouvelles compétences pour jouer la Coupe du Monde, vous voulez améliorer votre jeu, vous voulez jouer Roland-Garros, vous voulez améliorer votre coup droit, votre tennis. Donc, je ne dis pas qu'apprendre à mettre des crampons, je ne dis pas qu'apprendre à mettre des chaussures de tennis, ce n'est pas important. Bien sûr, au même titre qu'apprendre à monter une boutique Shopify, bien sûr que ça fait partie du truc. Mais passez tout votre temps là-dessus. Et croire, le pire c'est ça, c'est pas le temps que vous allez passer. Si vous êtes engagé, c'est tant mieux. Au début, on est obligé de prendre du temps pour chaque chose, pour chaque étape. Mais c'est ce qui est le plus gênant, c'est que vous pensez, vous êtes en train de travailler, vous mettez tout votre focus, toute votre énergie là-dessus. C'est de penser que si vous mettez bien la paire de crampons, si vous êtes les meilleurs pour mettre les paires de crampons, vous allez gagner la Coupe du Monde. Si vous pensez que vous êtes les meilleurs pour mettre vos chaussettes de tennis et votre bandeau de tennis, vous allez gagner Roland-Garros. En fait, vous êtes en train de focus sur les mauvaises choses. C'est pour ça que les formations de A à Z en dropshipping pour les débutants, ce n'est pas ce qui va réellement vous faire avancer. Je vous conseille d'utiliser toute votre énergie pour aller chercher de l'information de premier ordre. Vous devez rentrer dans le dur et vous attendre à aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage. Rentrer dans le dur, ça veut dire lire certains bouquins, tester certaines choses. Puisque vous le savez, un des livres les plus importants, c'est le livre de la vie, c'est le livre de l'action, c'est le livre du test. Comme dans un laboratoire de chimie, on va tester plusieurs formules. Vous savez, le chimiste ou l'alchimiste qui est dans son laboratoire, qui tente des choses, etc. C'est ce que vous devez être.
Mais l'information facile, je vous fais gagner un peu de temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller voir ces tutos, ça ne veut pas dire que ça ne va rien vous rapporter, ça ne veut pas dire que... Mais pour moi, si je peux vous donner un raccourci, encore une fois, mon intention, c'est de vous donner un raccourci. Je pourrais très bien faire ce genre de vidéo, mais pour moi, elles n'apportent pas de valeur. À quelqu'un qui veut réussir en dropshipping, elles sont attrayantes, on passe un bon moment, c'est super, on est sur l'écran, ah ouais, on clique là, on peut changer la couleur du texte, du bouton, c'est là qu'on... Ah ouais, on peut ajouter des produits, aller dans la fiche produits, les classer dans chaque catégorie, on peut mettre des tags sur les produits, oh putain, on peut ajouter avec Deezers le produit d'AliExpress, et on installe sur Google Chrome, on va installer une extension Google Chrome, je savais pas faire ça, mais j'ai appris des choses extraordinaires. Mais tu vas pas gagner un putain de centime avec ça. Tu ne vas pas gagner un putain de centime avec ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas savoir le faire. Moi, je vais te dire, c'est la base, c'est le minimum. Si tu penses être arrivé après avoir appris tout ça, tu n'es qu'au début du chemin, tu n'as même pas démarré. Tu as juste appris à mettre les crampons pour aller jouer à la Coupe du Monde. Il y a tellement de choses à apprendre derrière. Donc, je vous conseille de rentrer dans le dur très rapidement. Je vais maintenant vous donner, je ne vais pas vous laisser dans la mouise, je vais maintenant vous donner... deux étapes, deux conseils pour y arriver. Premièrement, essayez de comprendre quel est le bon marché, la bonne niche. Extrêmement important, priorité absolue. Priorité absolue. Ne partez jamais d'un produit. Ne partez jamais d'un produit. Je vous aurais averti, si vous voulez le faire, faites-le. Okay, vous êtes majeur et vacciné. Faites-le. Okay. Faites-le. Moi, je vous le dis, vous le verrez avec le temps. Je vous conseille plutôt de partir d'un marché, d'une niche. Choisissez un marché. Passez du temps à étudier un marché. Étudiez plusieurs marchés et sélectionnez-en un. Ensuite, devenez-en un expert. Vous devez le connaître par cœur. Ah, si vous devez, en tant que débutant, passer du temps sur quelque chose, pour commencer, c'est le fait d'étudier un marché et de le connaître par cœur. Parce que derrière, je vous l'annonce, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne faites pas de vente? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi les mecs ne cliquent pas sur votre contenu, sur votre pub? Parce que vous ne connaissez pas votre marché. Vous ne comprenez rien à ce que les mecs en face de vous ont dans la tronche. Vous n'y comprenez rien. Vous êtes des putains de bricolos, de touristes de merde. Et vous prétendez avoir des ambitions en business en ligne. Faites demi-tour. Bon. Vous me connaissez à force, hein. Vous savez que je vous aime bien, mais il faut vous rentrer dedans de temps en temps. Ne le prenez pas mal, ne quittez pas la chaîne. Parce que je vous ai dit que vous étiez des touristes. Voilà. Et je dirais même que si vous raisonnez comme ça, vous êtes même plus que des touristes. Vous êtes des bleus, bon ça on a tous des bleus contre nous, vous êtes des bras cassés, des personnes très maladroites, des personnes qui n'ont aucun talent, qui n'ont aucune capacité à réfléchir. Vous êtes voués, je vous le dis parce que le dropshipping c'est bien pour se faire la main en business, mais si vous passez dans des business de plus haut vol, on va dire que le dropshipping c'est bien pour gagner votre premier million, si vous passez dans des business de plus haut vol, et que vous raisonnez de cette manière, de manière très simpliste, je vous le dis les mecs, vous êtes voués à être salarié. Essayez de vous faire une raison. Parce que tu peux être heureux en tant que salarié, mais tu n'es pas capable de créer quoi que ce soit en termes de business. Tu n'es pas un créatif, tu n'as pas la capacité mentale de créer un business, tout simplement. Voilà. Il faut se le dire à un moment. À un moment donné, il y a des êtres humains qui ont été créés pour être des outils pour aider des personnes qui ont la capacité de rêver, d'imaginer, etc., etc. Donc, ça peut paraître choquant ce que je dis parce que pour moi, être un outil, être au service de quelqu'un, moi, je ne suis pas l'être humain le plus puissant de la planète, donc je suis un outil pour d'autres êtres humains qui ont peut-être plus le désir de créer que moi. Moi, je suis à un stade dans ma création où ma créativité me permet d'avoir pile poil ce que je veux dans la vie. Je pourrais peut-être aller plus haut. Et comme je suis bien comme ça, il y a ma vie privée, etc. Bah du coup, il y a des personnes qui m'utilisent en outil.
sur la planète Terre, je dois faire partie d'un système qui, etc. Par exemple, le patron de Stripe m'utilise comme un outil. Le patron de Shopify m'utilise comme un outil. Voilà. Il prend de l'argent sur mes efforts. Okay ? Moi, je prends un billet au passage, il prend de l'argent sur mes efforts. Tout simplement. Voilà. Et ça ne me dérange pas. Mais si, au stade où je vous parle, vous pensez que vous n'arrivez pas à saisir ce que je dis, je pense que vous pouvez être fait pour être ouvrier. Vous n'êtes peut-être pas fait pour être entrepreneur. Vraiment. Donc, choisissez le bon marché. Deuxièmement, comprenez la cible. Comprenez la cible. Comprenez l'avatar client. Comprenez très sincèrement, le plus sincèrement du monde, ce que vos clients ont dans la tête. Je ne vais pas développer plus parce que cette vidéo dure déjà assez longtemps. Mais en tout cas, j'espère au moins avoir eu le mérite de vous faire réfléchir différemment. Si c'est le cas, j'ai déjà gagné. Pour tous ceux et celles qui souhaitent avoir de l'information de premier ordre, je vous invite à rejoindre notre formation Fast Money Dropshipping qui n'est pas gratuite. Vous avez les formations de A à Z gratuites. Moi, au moins, j'ai l'honnêteté de le faire sur YouTube et de le dire en face. Je suis là parce que j'ai un centre de formation. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Je pense que ça se sent. Ça me fait plaisir de vous aider. Mais en échange, comme le marchand de légumes, comme l'épicier, comme le vendeur de voitures, en échange, j'ai besoin d'être rémunéré, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va vous donner, c'est de l'information de premier ordre qui a été passée au tamis, qui a été vérifiée, qui a été utilisée, qui a été améliorée, etc. Là, vous arrivez à la fin du cycle. Vous avez la quintessence de l'information, parce que je vous le rappelle, on a tous un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Ce qui fait la différence, c'est l'information que vous avez, ce sont les compétences que vous développez. Donc, on a créé cette formation qui n'est pas gratuite, contrairement à ce que je peux voir un petit peu de partout. Okay. Ça n'est pas gratuit, c'est payant. Vous allez devoir débourser une certaine somme pour en échange recevoir notre expertise et notre accompagnement jusqu'à la fin de votre projet. Ça s'appelle Fast Money Dropshipping, c'est dans la description. Vous avez plus d'infos sur la page d'information. Je vous dis à bientôt, c'était Benji. Allez, ciao, ciao. On s'est bien amusé dans cette vidéo.